Bonjour à tous. Je voulais vous faire une petite vidéo. Là, j'ai eu un petit souci de santé, donc je me suis dit que pendant 3 jours, je vais me reposer et puis ne plus passer mon temps à faire des cours pour l'école. Donc, je vais vous mettre quelques petites vidéos simples, de chansons simples que vous pouvez apprendre à jouer facilement. Bon, j'ai pensé à Michel des Beatles parce que c'est un morceau très facile à faire et puis j'espère que vous allez bien réussir à le faire. Alors ici on commence par, en fait ça c'est un mi mineur, hein. Un mi mineur qui est là, donc on met le doigt, l'index à la 7e case, donc de la dernière corde, hein, puis à la 8e case pour le majeur de la 5e corde, et puis à la 9e case de la 4e corde. Donc on joue la basse, donc de la 4e corde, puis avec les deux doigts on vient passer donc les deux dernières cordes. Voilà, donc je vais vous jouer un peu le départ pour vous montrer que c'est pas compliqué. Donc ça c'est l'intro du Michel, hein. On apprendra, il y a des accords à diminuer dans ce morceau, on les apprendra plus tard. Là je vous montre juste l'intro, donc ça fait, après vous êtes sur cette position là, vous allez monter le majeur là ici sur la même case mais à la 4e corde, et puis ce doigt qui était là vous allez le mettre ici à la 8e case, donc de la 5e corde. Donc ça fait, j'espère que vous voyez bien l'accord. Puis après en fait vous gardez ce doigt là appuyé, gardez, vous lâchez les doigts et vous faites comme si vous faisiez un ré, là, comme ça. Et puis ici après on décale juste l'index. Donc je fais toujours le même rythme, hein, en fait. Voilà, en fait, faut passer. C'est le passage le plus compliqué à la rigueur, parce que gardez. Donc c'est le début, hein. Bon. Et puis là, on va placer un Do 7e majeur. Donc, là, par contre, la basse, ça va changer. Ça va être la 3e basse ici. Et là, au lieu de passer deux cordes, je vais passer les trois cordes. Et là, je vais venir faire une petite mélodie. Donc, je mets le petit doigt là. Je l'enlève. Et je mets le si en barré, le si, donc vous voyez le si. Voilà, donc. Voilà, donc le morceau original il fait. Pardon. Ça fait, donc on a des accords un peu compliqués, on a des accords un peu plus compliqués, donc on verra ça plus tard. Je pense on va s'imiter à l'intro. Voilà, donc vous terminez en fait sur le si, soit vous faites. On peut faire. Par exemple, hein, voilà. Donc, ça, c'est une intro que je trouve sympa, qui est facile à faire. Hein, voilà. Je vous souhaite un bon courage, hein, pour le faire. Mais je pense que si vous voulez chercher une tablature, vous la trouverez facilement de ce morceau.